كوتش سرداجي رياض قناة الحياة تي في. سؤالي راح يعود للدورة الأخيرة هذه الودية. كوتش، من خلال الدورة الودية لاحظنا أن المنتخب الوطني أصبح يعتمد على القوة الهجومية التي يسخر بها في التعداد، وهذا شيء من الإيجابيات حيث سجل المنتخب 6 أهداف. في نفس الوقت المنتخب استقبل 5 أهداف. كيف راح يتعامل بيتكوفيتش مع هذا الخلل في خط الدفاع؟ شكرا. Sono d'accordo, e all'allenatore piace anche non subire gol e segnare tanti. Je suis d'accord avec vous, un coach aime bien pas encaisser des buts. Solo come ho visto le ultime due partite, abbiamo fatto troppi errori individuali e abbiamo subito qualche gol di troppo. L'évaluation c'est qu'on a fait trop d'erreurs individuelles et on a subi trop de goals. Allora puntare sulla qualità, sulla sicurezza del passaggio e evitare errori individuali. Il faut absolument viser sur la qualité des passes, sur la qualité des appuis et surtout faire de toute façon qu'on peut éviter certaines erreurs. Dobbiamo ancora lavorare e concentrarsi ancora di più sulla difesa preventiva, perché 2-3 gol abbiamo subito proprio su questo, su errori che potevamo anche evitare e potevamo anche anticipare. C'est bien clair qu'on doit beaucoup travailler sur la situation défensive préventive et surtout on doit être vraiment très très concentré parce qu'on a encaissé 2 ou 3 buts et si on serait été plus concentré dans le système défensif, on aurait pu les éviter. Responsabilité, discipline individuelle, parce que subendo gol anche da palla ferma, lì è uno contro uno et lì non scappa chi fa errore. Là, c'est la responsabilité du joueur qui est sur le terrain quand il y a des situations de balles arrêtées. S'il y a une situation de 1 contre 1, là, c'est le joueur qui doit prendre en charge la responsabilité. Il doit tout faire pour éviter d'encaisser des buts. Ma per fare questi miglioramenti individuali serve il gruppo e serve aiuto anche dei compagni. Mais pour l'améliorer, il faut avoir l'aide du groupe, parce qu'avec le groupe, on peut améliorer aussi l'individuel.